Ça commence fort. Jour d'arrivée, passeport bloqué pour cause de fouilles à approfondir. Pas à me plaindre, j'ai déjà une piste pour ma recherche. Enfin, si la piste tient vie jusqu'à demain. Je me demande pourquoi je n'ai pas donné aux douaniers la raison officielle de ma présence ici. Étudier la possibilité d'implanter un Disneyland dans la cité antique des villes mortes. Mon Dieu. Après des années amères de silence, c'est mon père qui parle comme cela. Après des années amères de silence, le fils de l'absent nous écrit son envie de retour au pays de ses pères. Je connais mon père. En d'autres occasions, son silence aurait suffi comme réponse au fils de l'absent. Mais là, c'était la solution à ses problèmes. Ses problèmes, c'est moi. Arrange-toi pour qu'il vienne en toi. Tu sais t'y prendre avec des façons de femme, des paroles à la douceur de pistache, si je ne m'abuse. A dit mon père. Je crois au présent, voilà. À vous là, moi ici, voilà. Et à ton fils, tu laisseras aussi le choix. Dis-moi, as-tu une femme, des enfants? Non. Ah, Dieu te bénisse, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il est maigre ce garçon? Maigre et sans religion, un malheur n'arrive jamais seul. Qu'il mange, sinon personne ne croira qu'il a été capable d'avoir mis quoi que ce soit dans le ventre de ma fille. Si, il y a moyen de construire ici un grand parc d'attractions. Oui, oui, tout au sourd d'un site archéologique le plus vieux possible, le plus grand possible. Oui, du tourisme culturel, c'est ça. Je demande. Je continue à demander. Monsieur, je sursaute. Un homme qui me prend par le bras et m'entraîne à l'écart de la foule. Je me laisse prendre. Il n'a pas une tête à me vouloir du mal. Il me demande. Hey, je peux vous aider. Tout ce que vous voulez, je peux vous aider. J'ai de très belles antiquités avec garantie autorisation de quitter le pays. Vous pouvez me croire sur parole, je ne mens jamais aux clients. Je cherche quelqu'un. Ah, un ancien roi, un prince. J'ai une belle statue d'une princesse. Vous savez, celle qui est tombée en amour d'un berger, quelqu'un de vivant. Ah, même les vivants, je connais. Tout ce que vous demandez, Tariq vous le trouve, vivant ou mort. Tariq, c'est mon nom. Pourquoi pas? Heboun. Il est Mina, cousin de Abdelhani. Ah, mais je connais.